Bonjour, une petite vidéo pour les terminales STMG. J'ai un peu d'avance puisque le grand oral n'est pas terminé et puis que les résultats nous les aurons que dans plus d'une semaine. Mais c'est pour ceux qui auront la chance d'aller à l'épreuve de rattrapage. Alors c'est une demi-chance, je suis d'accord avec vous, mais il faut quand même la saisir. Alors on est d'accord que pour avoir le bac, il faut avoir 1000 points. Donc là, je vous donne un petit exemple. Si vous allez au rattrapage, c'est que vous avez entre 8 et 10. Imaginons que vous ayez 9,80, il faut multiplier ça par 100, et donc on arrive à 980, donc vous voyez, il ne vous manque que 20 points, on va dire que ce n'est pas si compliqué que ça à rattraper. Donc, il va falloir passer une épreuve que vous aviez à l'écrit, ça va être soit l'épreuve de management, soit l'épreuve d'éco-droit, et vous avez aussi possibilité de prendre la philo ou le français, mais là, ce n'est pas moi qui vous donnerai les explications. Donc je vous donne ce site stmg.education qui est très bien fait. Quand vous allez sur MSGN, là, que vous cliquez, si ça veut bien fonctionner, vous avez euro de second groupe et donc vous cliquez sur 2021 et vous arrivez sur pas mal de sujets que vous pouvez consulter. Ça sera une bonne préparation. Donc on a cinq sujets. Là j'en ai ouvert un pour que ça aille un peu plus vite. Donc je vous explique comment ça fonctionne. Je vais un peu, voilà. Vous avez une préparation de 40 minutes et après 20 minutes, c'est-à-dire que c'est comme le grand oral, 10 minutes où vous exposez ce que vous avez trouvé et ce que vous avez, vos réflexions, et 10 minutes d'interrogation. Ça ressemble beaucoup à une épreuve, à l'épreuve de management en un petit peu plus simplifié. Vous avez des annexes et vous avez donc 6 questions pour celui-ci. Identifier les finalités de l'organisation, repérer les éléments de diagnostic externe, donc des choses que vous connaissez. Si je prends donc par contre un sujet d'économie droit, c'est un petit peu différent. Donc vous voyez, là c'est je suis sur une épreuve orale de droit ou d'économie, ce n'est pas tout à fait la même chose. Vous avez 20 minutes de préparation, par contre sur la durée, c'est la même chose. Donc commenter l'évolution du taux de chômage en France et en Allemagne. Ça, c'est le corrigé parce que je ne vous ai pas affiché le sujet étant donné qu'il est en Word. Donc, par contre, c'était juste pour vous montrer la différence entre les deux épreuves. Il y a une épreuve avec 20 minutes et l'autre épreuve avec 40 minutes. Voilà. Je vous souhaite bon courage pour ceux qui se retrouvent en repêchage. Et donc, si vous avez des questions, vous savez comment me joindre et on pourra préparer ça ensemble. Bon courage à tous!